Ah, shalom, shalom, que Dieu te bénisse, toi qui me suis maintenant, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Merci de nous prendre en marche. Je bénis Dieu pour tous les surnaturels qui sont connectés, que la grâce et la faveur de l'Éternel, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, soient sur vos vies. Merci encore d'être présent en ce rendez-vous du surnaturel. Dans ce rendez-vous que notre Dieu nous donne, merci encore d'être là, d'être présent à ce rendez-vous. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie. Merci de te connecter. Merci d'inviter quelqu'un à suivre cette vidéo. Jenny Koné, que l'Éternel te bénisse. Daniel Koné, que l'Éternel te bénisse. Prophétesse Leila Kwadio, sois bénie depuis ta position. Prophétesse Samuel Fanta, que l'Éternel te bénisse. J'ai vu Martha Blessing. Que Dieu te bénisse, Martha. Que Dieu te bénisse. Carla de Poutela, demeure bénie là où tu es. Dior Jésus, que l'Éternel te bénisse. Catherine Durand, que l'Éternel te bénisse. Voilà. En tout cas, shalom à ceux qui nous prennent en marche maintenant. Léa MB, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci de partager la vidéo et puis merci d'inviter ton frère, merci d'inviter ta sœur à pouvoir suivre avec nous. Nous sommes dans Opérons dans le surnaturel. Je voudrais rappeler aux habitués du surnaturel que nous avons rendez-vous à minuit aujourd'hui, minuit, heure de la France, bien sûr, minuit 00, heure de la France. Nous allons nous retrouver pour nos séances que nous avons l'habitude de faire. Les habitués savent comment ça se passe. Bien, ça fait près de, je vais dire, un mois et demi ou pratiquement 2 mois que nous sommes en train de parler d'un thème important qui est le sacrifice. Alléluia. Un thème important qui est le sacrifice. Et je vous avais déjà expliqué que le sacrifice est le centre du surnaturel, le centre de la Bible. Nous prions le Seigneur avant de continuer. Père, nous te bénissons. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Que ton esprit soit présent au milieu de nous. Que une fois de plus, la chair se taise et que ton esprit prenne contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen et Amen. Bien, voilà, merci à tous ceux qui mettent les cœurs, tous ceux qui mettent les pouces, ceux qui mettent les commentaires. Ça nous permet de savoir que vous êtes connectés. D'accord? Les cœurs et les pouces nous permettent de savoir que vous êtes connectés. Ça nous permet de savoir que vous suivez effectivement ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, merci d'ajouter. Merci aussi à ceux qui nous prennent maintenant en marche. Cédi Lydia, que Dieu te bénisse. Rolande, que Dieu te bénisse. Et voilà, tous ceux qui sont en train de nous rejoindre au fur et à mesure que Dieu vous bénisse. Bien, je le disais tout à l'heure, nous sommes à notre huitième partie du thème sur le sacrifice. Jamais aucun thème de tous les thèmes du surnaturel que j'ai enseigné n'a été aussi long que le thème du sacrifice. Oui, c'est long parce que c'est important. Voilà. Pour moi, le centre de la Bible, c'est le sacrifice. Pour moi, le centre de la Bible, c'est le sacrifice. Le centre du surnaturel, c'est le sacrifice. Donc, celui qui perçoit mal le message du sacrifice a raté beaucoup de choses dans le surnaturel parce que là, nous sommes en train de parler du surnaturel. Amen, amen. Avant d'aller plus loin, je vais inviter quelqu'un à partager cette vidéo. Voilà. Merci de partager. Merci d'inviter ton frère, d'inviter ta sœur à suivre avec nous cette vidéo. Merci de mettre les likes. Merci de mettre les commentaires. Merci de mettre les cœurs durant le long de cette vidéo. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons défini le sacrifice dès le départ comme étant, on a parlé de offrande volontaire, offrande volontaire. On a parlé de sacrifice comme étant offrande à une divinité. Et c'est cette partie-là que nous allons aborder. Vous voyez le thème inscrit derrière moi, c'est la divinité. D'accord? Parce que nous avons déjà toucher les autres points. Les autres points, nous avons déjà touché 4 éléments. On a touché le premier élément, on avait dit le sacrifiant. Ça veut dire que toi qui offres le sacrifice, tu dois avoir une certaine attitude. Si tu n'as pas suivi cette vidéo, prière de retourner quelques vidéos en arrière pour voir de quoi il est question pour être un bon sacrifiant. Amen, amen. Bien. Ensuite,
Quand on a fini de parler du sacrifiant, on a abordé le sujet du sacrifice en lui-même. Ça nous a permis de citer pas nos membres de type de sacrifice, je ne reviendrai pas dessus. Après, la semaine dernière, par la grâce de Dieu, mais il y a eu 2 semaines, on a parlé des rituels, on a mis tout ça dans le sacrifice. Et puis, nous avons parlé du sacrificateur la semaine dernière. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la divinité. Église, j'ai donné 4 éléments, ou bien mes chers surnaturels, j'ai donné 4 éléments. Premier élément, le sacrifiant. Sois un bon sacrifiant. Deuxième élément, respecte les critères du sacrifice, il n'y a pas de souci. Troisième élément, il faut que le sacrificateur te conduise, tu as le sacrificateur. Mais si le dernier élément échoue, tu as raté ton sacrifice. Si vous vous souvenez bien, je vous ai expliqué que chacun de ces éléments est important. C'est pour ça que j'ai détaillé comme ça, c'est pour ça que l'enseignement du sacrifice prend tout son temps, parce que chacun de ces éléments est très, très, très important. Amen. Donc, de la manière dont j'ai insisté sur le sacrifiant que tu es, de la manière dont j'ai insisté sur le sacrifice, on a parlé du sacrificateur de la même manière, on parle maintenant de la divinité. Et c'est en ce moment-là que nous avons utilisé la dernière définition du sacrifice, c'est offrande à une divinité. D'accord? Mais à quelle divinité? Il faut que tu comprennes que dans ton sacrifice, tu t'en vas offrir quelque chose à un Dieu. D'accord? Je ne dis pas à Dieu parce que nous sommes dans le cadre du surnaturel. Donc, vous me comprenez. Tu pars offrir ton sacrifice à un Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi offrir un sacrifice à un Dieu? Maintenant, la question qui est posée, c'est à quel Dieu tu offres ton sacrifice? Genèse chapitre 46, c'est le verset de base du surnaturel que nous avons pris, le verset de base de, comment on appelle, l'enseignement sur le sacrifice. Allons-y, Genèse chapitre 46, verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 46, verset 1 au verset 3. On a déjà lu ce verset, c'est le verset de base. Amen. C'est le verset de base de l'enseignement sur le surnaturel. Genèse chapitre 46. Est-ce que quelqu'un peut marquer rapidement cette référence? Genèse chapitre 46, du verset 1 au verset 3. Alléluia. Je vais voir la référence pour voir si vous suivez avant de continuer. Genèse chapitre 46, verset 1 au verset 3. Kamarabo shekelebri. C'est bon? Bien, ok, j'ai vu des références, on peut aller. Il est écrit, Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. On reviendra dessus par la grâce de Dieu la semaine prochaine. D'accord? Mais là, le passage que nous avons lu, c'est avec ça que nous avons commencé, si vous vous souvenez bien. C'est avec ça que nous avons démarré l'enseignement sur le sacrifice. Jacob, donc, offre un sacrifice, mais c'est mentionné, il n'a pas offert le sacrifice à n'importe qui. Jacob a offert ce sacrifice-là au Dieu de son père. D'accord? Il a offert le sacrifice au Dieu d'Abraham. Il a offert le sacrifice au Dieu d'Isaac. Donc, la divinité avec laquelle Jacob venait de traiter était une divinité qu'il connaissait déjà. C'était la divinité qui correspondait à son sacrifice. Bien, je veux en ce moment précis là que chacun se rende compte de ce qui se passe. Église, nous avons expliqué qu'il existe plusieurs types de dieux. Je vais revenir un peu dessus parce que je l'ai expliqué dans le monde des dieux. Pour le chrétien, je fais toujours une différence entre l'homme surnaturel et le chrétien. Le chrétien spirituel lambda dit qu'il existe un Dieu. Nous sommes d'accord avec, parce que nous aussi, nous sommes chrétiens. Mais pour nous, les surnaturels, il n'existe pas un Dieu, il existe des dieux. J'ai déjà expliqué ça dans le monde des dieux, mais comme nous sommes en train de parler de divinité dans le sacrifice,
Je vais revenir sur le sujet. D'accord? Donc, il n'existe pas un seul Dieu. Il existe plusieurs dieux. Pour ceux qui ont suivi, ou bien si tu n'as pas suivi, priez d'aller sur la page YouTube Révérend Prophète Herman Kouadio. Toutes les vidéos du surnaturel y sont, ou bien sur la page Facebook Domination Optimale, là où tu es en train de regarder. En ce moment-là, tu verras l'enseignement sur le monde des dieux. Alléluia. On va revenir rapidement dessus avant de continuer. Juges chapitre 10, le verset 6. Donc, la référence que nous venons de prendre dans le livre de la Genèse, nous voyons le patriarche Jacob qui vient de faire un sacrifice. Et la Bible précise que Jacob a eu à faire ce sacrifice-là au Dieu de son père. Alléluia. Au Dieu de son père. Donc, il connaissait le Dieu à qui il était en train de faire son sacrifice. Église, on ne se lève pas comme ça pour faire un sacrifice. Parce que, comme je vous disais, il y a le sacrifiant que tu es, il y a le sacrifice que tu apportes, d'accord? Il y a le sacrificateur qui t'aide à faire le sacrifice. Et puis le dernier élément, le quatrième élément, mais le plus important, qui est la divinité. À quel Dieu offres-tu ton sacrifice? Est-ce qu'on se parle? À quel Dieu offres-tu ton sacrifice? Bien. Donc, on a vu dans le cas de Genèse 46 que Israël a offert son sacrifice au Dieu de son père. Ça veut dire que c'était la divinité que lui l'adorait. Je parle comme ça en général et puis après, je vais revenir dans nous les chrétiens. Parce que nous sommes dans le surnaturel, il faut ouvrir la porte à tout le monde. Bien, comme je vous disais, je parle de divinité. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que l'on pense, il existe plusieurs dieux. Il n'existe pas un seul Dieu comme on le croit, et vous allez voir dans d'autres versets que nous allons lire tout à l'heure, il existe plusieurs dieux. C'est pour ça que en faisant ton sacrifice, tu dois être sûr du Dieu auquel tu apportes le sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien. Juges chapitre 10, verset 6. Amen. Est-ce que quelqu'un peut marquer avec moi? Juges chapitre 10, le verset 6. On va lire, on fait un petit rappel du monde des dieux. Un petit rappel du monde des dieux. Juges chapitre 10, le verset 6. Est-ce que je peux voir la référence? Je peux voir les commentaires? Voilà, j'espère. Je rappelle que pour les femmes surnaturelles et les hommes surnaturels, nous avons rendez-vous tout à l'heure sous le coup de minuit. Voilà, heure de la France. 0h, heure de la France. Voilà, merci Dior Jésus, que Dieu te bénisse. Juges chapitre 10, le verset 6, un petit tour dans le monde de Dieu, il est écrit. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, ils servirent les Baals et les Astarté, les dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Vous voyez? Donc la Bible même te dit. C'est pour ça que souvent, quand je parle aux gens, je dis « âme sensible s'abstenir ». Ne pensons pas que ce que tu crois dans ta tête comme vérité est absolu. Non, il y a trop de versets dans la Bible. La Bible dit « les enfants d'Israël ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils ont adoré, ils ont servi d'autres dieux. Les enfants d'Israël ont servi d'autres dieux. Il y a d'autres versets que je vais lire tout à l'heure qui sont dans le même ordre. Donc, ils ont servi d'autres dieux et la Bible va citer les dieux de la Syrie. Donc, la Syrie avait ses dieux, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des Ammonites, les dieux des Philistins et ainsi de suite. Donc, pour la personne qui a eu à suivre la vidéo que j'ai sur le monde des dieux, je vous ai expliqué que dans chaque zone, dans chaque territoire, à chaque lieu, chaque localité, il existe des dieux. Là, on a parlé des dieux de la Syrie, on a parlé des dieux des Ammonites, des Moabites et ainsi de suite. Donc, chez nous, en France, il y a des dieux en France. Il y a des dieux aux États-Unis. Il y a des dieux au Cameroun. Hein, le pays d'où tu es, de là où tu me regardes ou bien de là d'où tu es originaire, sache qu'il y a des dieux partout dans ton pays. Maintenant, j'ai enseigné le sacrifice. Vous avez vu que quand j'ai enseigné le sacrifice, j'ai donné des critères pour qu'un sacrifice soit validé.
D'accord. Maintenant, la question que je pose, c'est à quel Dieu que tu offres ton sacrifice? Il faut que tu fasses attention. La question peut paraître idiote, ça peut paraître assez bête, mais vous allez comprendre. Alléluia. Si quelqu'un ne fait pas attention, tu peux te retrouver en train de donner ton sacrifice au mauvais Dieu. Quand je dis le mauvais Dieu, ça veut dire le Dieu qui ne te correspond pas. Est-ce qu'on se parle? Parce que là, je ne suis pas en train de parler de faux Dieu et de vrai Dieu. Non, je ne suis pas dans ça encore. Je suis en train de parler du mauvais Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui ne correspond pas à ta foi. Parce que quand on parle de sacrifice, on a dit dans la définition offrande à une divinité. L'élément important que tu dois comprendre, c'est que dans le monde des dieux, l'enseignement sur le monde des dieux a fait suite à un enseignement que j'avais donné dans la loi de l'appartenance. Est-ce que vous vous en souvenez? J'ai dit que chacun de nous est tributaire d'un Dieu. Chacun de nous est la chose. Voilà, je me permets cette expression-là. Chacun de nous est la chose d'un Dieu. Tu appartiens à un Dieu. Ça veut dire que le sacrifice que tu veux faire, ce sacrifice-là, tu es censé le déposer au pied de ton Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sacrifice que tu fais, ce sacrifice-là, tu dois l'envoyer à ton Dieu. Donc, il ne faut pas que tu te trompes. Parce que si tu te trompes de divinité, ton sacrifice est annulé. Il n'a pas de valeur. Donc, j'ai expliqué dans le sacrifice, hein, vous savez de quoi je parle. Quelqu'un se dit, je veux faire un sacrifice, je veux donner deux taureaux. Je veux offrir deux taureaux, je veux offrir trois béliers. OK, ton sacrifice est défini. Deux taureaux, trois béliers. C'est ce que tu veux offrir. D'accord. Mais il faut que dans ton attitude, dans ton choix, le sacrifice soit offert au bon Dieu. Quand je dis le bon Dieu, quand je dis le vrai Dieu, c'est en ce qui te concerne. Ça ne doit pas être le Dieu auquel tu n'appartiens pas. Si tu offres un sacrifice au Dieu auquel tu n'appartiens pas, ton sacrifice n'a pas de valeur. Bien, de façon concrète, Herman, quoi Dieu que je suis, ou bien je vais donner un nom, je prends un nom devant moi, je vois Bayoul Zogodou. Bien, c'est un nom que je vois juste devant moi. Bayoul Zogodou a un Dieu. D'accord? Il veut faire un sacrifice. Il prend ses deux taureaux, comme je disais tout à l'heure, et ses trois béliers. Si il se dirige vers un autre Dieu que le Dieu qu'il a l'habitude d'adorer, le sacrifice qu'il va lui déposer, les deux taureaux et trois béliers n'ont pas de valeur. Ça a été annulé. Ça n'a pas compté. Il n'a pas eu de sacrifice. Pourquoi? Parce que tu as déposé le sacrifice à la mauvaise divinité. Est-ce qu'on se comprend? Je vais prendre un exemple terre à terre. Je dois de l'argent à Bayoul. Je lui dois 100 euros. D'accord? Si je prends les 100 euros et que je remets à quelqu'un qui n'est pas Bayoul, je n'ai pas payé mon crédit. Et voilà, à partir de là, je ne sais pas si on se comprend maintenant. Je n'ai pas payé ma dette. Je loue une maison. À la fin du mois, je dois payer le loyer au propriétaire de la maison, n'est-ce pas? Si je prends le montant, mes 1 000 euros, et qu'au lieu de remettre au propriétaire de la maison, je prends les 1 000 euros et que je remets à quelqu'un d'autre. C'est vrai que 1 000 euros est sorti de ma poche. Mais comme je n'ai pas donné à la bonne personne, je n'ai pas payé mon loyer. Je dois toujours mon loyer. J'espère que à partir de là, c'est clair. D'accord? Et c'est la même chose. Donc, quand je prends mon sacrifice et que je donne mon sacrifice à la mauvaise divinité, mon sacrifice n'a pas eu lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, je reviens maintenant dans le cadre des chrétiens que nous sommes. J'ai l'habitude de vous dire, quand j'enseignais le monde des dieux, que moi, Herman Kouadio, le Dieu que je prie, c'est le Dieu qui est en Israël, le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on se parle? Le Dieu que moi je prie, le Dieu que nous, les chrétiens, nous sommes censés prier, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui est en Israël. C'est vrai que le pays d'où je suis originaire a sept dieux. Alléluia. Le pays d'où tu es originaire a sept dieux. Mais moi, j'ai fait le choix du Dieu qui est en Israël.
Donc, quand vous entendez Dieu d'Israël, il y a Israël en tant que Jacob, sa personne, mais il y a aussi Israël en tant qu'État, le Dieu qui est en Israël. C'est ce choix-là que moi j'ai fait. Et c'est pour ça que chaque fois que je vous enseigne le surnaturel, j'utilise le livre saint du Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, le chrétien que tu es, attention, tu peux être en train de faire un sacrifice, mais malheureusement, à la mauvaise divinité. Il y a une conséquence majeure à cela. Quand nous prenons nos Bibles, Dieu va nous avertir lui-même. Il va avertir le peuple d'Israël. Exode chapitre 20, versets 1 à 6. C'est pour ça qu'il est important de parler de la divinité. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous a même averti. Parce qu'il est conscient que quelqu'un peut faire un sacrifice. Quelqu'un peut être un bon sacrifiant, cependant offrir son sacrifice à la mauvaise divinité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends avec moi Exode chapitre 20, le verset 1 au verset 6. Exode chapitre 20, le verset 1 au verset 6. On va lire rapidement. Est-ce que l'enseignement fait du bien à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Exode chapitre 20, verset 1 au verset 6. Il est écrit, alors Dieu, quand on dit Dieu, c'est ici. Voilà. Et merci Seigneur. Je vais faire cette parenthèse-là. Quand vous entendez Dieu, peut-être que je reviendrai dessus une prochaine fois, mais quand on dit Dieu, c'est pour ça que j'ai parlé du monde de Dieu. Quand quelqu'un te dit Dieu, là, il ne faut pas dire tout de suite Amen. Hein. Parce que Dieu a de la valeur par rapport à la personne même. Quand moi, Herman, je dis Dieu, je parle de moi, mon Dieu. Donc, quand tu croises quelqu'un, puis il te dit Dieu est grand, c'est quel Dieu? Il parle de quel Dieu? C'est une parenthèse rapidement. Donc, quand quelqu'un dit Dieu est avec moi, il parle de lui, son Dieu. Donc, ne pense pas que quand lui dit Dieu, c'est égal à toi, ton Dieu. Non, 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 non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien. On continue. Exode chapitre 20, verset 1 à 6. Bien. Alors, Dieu, prononçant toutes ces paroles, dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » Verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Voilà. Donc, à tous ceux qui disent que il n'y a pas plusieurs dieux qui existent, le Dieu de la Bible là, dit à son peuple, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me détestent. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc, notre Dieu de la Bible ne t'autorise pas à faire des sacrifices à un autre Dieu que lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton Dieu, le Dieu de la Bible, en tout cas, il ne t'autorise pas à faire des sacrifices à un autre Dieu qu'à lui. Pourquoi? Parce qu'il a précisé, je suis un Dieu jaloux. Donc, en tant que chrétien, si tu optes pour ce Dieu-là de la Bible, il faut que tu sois sûr que le sacrifice que tu es en train de faire se rapporte effectivement à ce Dieu. Pourquoi? Parce que s'il s'avère que ce n'est pas à lui que tu es en train d'offrir le sacrifice, s'il s'avère que c'est à la mauvaise divinité que tu offres le sacrifice, quand je dis mauvaise, ça veut dire que ce n'est pas le Dieu de la Bible, tu attires la colère de Dieu. Tu attires la colère de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu attires la colère de Dieu. Église, faisons attention, il existe plusieurs dieux. Donc, débrouille-toi pour ne pas attirer la colère de Dieu en faisant de sorte que ton sacrifice soit offert au bon Dieu, au vrai Dieu, au bon Dieu, c'est-à-dire au Dieu de la Bible pour toi qui me regarde. Parce que nous sommes entre nous les chrétiens. Mais si quelqu'un me regarde que tu as ton Dieu, si tu veux faire ton sacrifice, tu peux aller là-bas. Mais si tu prends ton sacrifice et que tu envoies à mon Dieu, c'est annulé parce que vous n'êtes pas la même chose. Avant de faire un sacrifice, il faut que tu sois sûr d'appartenir à ce Dieu-là. Je vais terminer avec ça tout à l'heure.
pour le moment, je suis en train de montrer à l'Église le fait que quelqu'un déclenche la colère de Dieu sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a offert le sacrifice à la mauvaise divinité. Je continue, hein, vous allez voir tout à l'heure. Un autre verset, je vais vite parce que j'ai plusieurs versets à lire. Un autre verset, Exode chapitre 20 toujours, on va lire le verset 22. Exode chapitre 20, le verset 22. Je rappelle que nous avons prié tout à l'heure pour les hommes surnaturels, les femmes surnaturelles. Nous avons prié sous le coup de minuit heure de la France. D'accord? Exode chapitre 20 toujours, dans le même chapitre où nous sommes. Nous lisons le verset 22. Est-ce que je peux voir la référence? Nous lisons le verset 22. C'est bon, on me suit, je peux continuer? Exode chapitre 20, verset 22. Il est écrit. L'Éternel annonça à Moïse. Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé. D'accord? Je continue. Hein? Oh, je me retrouve. Voilà. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez pas de Dieu en argent et en or pur pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. Je reprends. Excusez-moi. Vous ne ferez pas de Dieu en argent et en or pur pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. Donc, Dieu ne veut pas qu'il y ait d'association entre lui, Dieu de la Bible, et d'autres dieux. Ça veut dire que soit c'est lui que tu as, soit c'est les autres que tu as. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que Dieu a une colère farouche contre ceux qui s'asseyent dans l'église, qui prétendent être chrétiens et qui en même temps ont des canaries et qui en même temps ont des fétiches sous leur lit, qui en même temps vont voir des féticheurs, qui en même temps vont voir des marabouts, qui en même temps vont faire d'autres adorations alors que tu es assis dans l'église. Il dit dans le verset 23 que nous avons lu, je reprends le verset 23, vous ne ferez pas de Dieu en argent et en or pour me les associer. Le premier verset que nous avons lu dans Exode chapitre 20, il dit, je suis l'Éternel, je ne veux pas que tu aies un autre Dieu. Nous sommes en train de parler de la divinité. Il faut que tu puisses connaître le fonctionnement de ta divinité, de ton Dieu, en fait. Quand j'ai dit divinité, c'est de toi, ton Dieu. D'accord? Et si tu es comme moi et que ton Dieu, c'est le Dieu de la Bible, premier point, il a dit, je ne veux même pas que tu aies d'autres dieux devant ma face. Le verset que nous sommes en train de lire maintenant, il dit, je refuse que tu prennes des dieux et que tu viennes les associer à moi. J'ai entendu des gens dire, c'est vrai. Il y a la Bible, mais nous sommes des Africains. On a aussi pour nous. Ah non. Soit tu es Africain et tu fais pour toi, soit tu es dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et vous allez voir dans la Bible, chaque fois que le peuple d'Israël s'est détourné ou bien est allé vers d'autres dieux, la sanction et la sentence est tombée sur leur vie. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Chaque fois que le peuple d'Israël est allé vers d'autres dieux, la colère de Dieu s'est abattue. Dieu dit, tu ne prendras pas d'autres dieux pour me les associer. Ne dis pas, oui, Dieu est là, mais il y a telle chose à côté que je peux faire. On n'associe pas Dieu avec d'autres dieux. Non. Soit c'est lui, soit c'est un autre. Tu es libre de choisir ton Dieu. Je vais parler de ça tout à l'heure. Alléluia. Tu es libre de faire ton choix. Mais si tu choisis le Dieu de la Bible, tu n'as pas le droit de l'associer avec d'autres dieux. Dans la Bible, il y a plusieurs dieux. J'ai déjà enseigné ça. Si tu n'as pas regardé, il faut faire recours au monde des dieux. Vous allez voir les dieux de la Bible. Les dieux que nous avons dans la Bible, que nous avons la capacité, nous les chrétiens, d'invoquer. Il y a aussi plusieurs dieux dans la Bible que nous pouvons invoquer. J'ai expliqué ça clairement dans le monde des dieux. Je crois à la deuxième partie. Alléluia. Donc, quand tu es en train de faire ton sacrifice, sois sûr que tu n'es pas en train d'associer ta divinité avec d'autres divinités. Quelqu'un souvent se retrouve au village et puis on va lui dire, bon, ben, il y a telle chose à faire, il y a tel sacrifice à faire. Il y a des chrétiens qui sont beaucoup dans la tradition. Fais attention.
C'est vrai que tu es dans la tradition, mais fais attention au fait que les actions que tu es en train de poser là-bas ne te conduisent pas dans l'adoration d'un autre Dieu. À partir de cet instant, le Dieu de la Bible, lui, se met en colère contre toi. Maintenant, si tu es là-bas et que tu n'as pas fait au Dieu de la Bible, bon, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Est-ce qu'on se parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On va lire un autre verset pour continuer. Exode, toujours, nous sommes toujours dans le livre de Exode. On va lire le chapitre 22. Chapitre 22. Exode, toujours. Laissez-moi, je retrouve rapidement ma référence. Verset 19. Exode, chapitre 22, le verset 19. C'est bon? Quelqu'un voit? Exode, chapitre 22, le verset 19. Il est écrit: Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel sera voué à l'extermination. My God. Écris-moi, merci beaucoup d'outils faveurs. Voilà, que Dieu bénisse ceux qui sont en train de mettre la référence en commentaire. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par là. Il est écrit: Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Cette personne-là sera exterminée. Celui qui offre des sacrifices à un autre Dieu qu'à l'Éternel, la Bible dit, sera voué à l'extermination. Ça veut dire que tu seras exterminé, tu seras détruit si tu offres un sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Mais ça, cette parole-là ne concerne pas toute la terre. Non, 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 non. Il faut que je sois clair. Je veux être clair et véridique avec toi. Cette parole ne concerne pas toute la terre. Cette parole concerne seulement le peuple d'Israël. Est-ce que je peux être véridique? Est-ce que je peux être véridique avec quelqu'un? Cette parole ne concerne que le peuple d'Israël. Celui, je reprends encore la lecture, hein, celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Donc, ton Dieu ne t'autorise pas à offrir des sacrifices à quelqu'un d'autre qu'à lui. Mais comme je le disais, cette parole-là ne concerne pas toute la terre. Ce verset-là, ça ne concerne pas toute la terre. Ça concerne que notre Dieu. C'est nous, notre Dieu, qui a pris cette décision-là. Je ne connais pas les autres dieux. Peut-être qu'eux, ils sont d'accord qu'on les adore et qu'on vient adorer ici. Ça, c'est eux. Mais nous, notre Dieu dit, si tu es avec lui, ne va pas ailleurs. Nous, notre Dieu dit, si tu es avec lui et que tu offres des sacrifices à autre Dieu qu'à lui, tu seras exterminé. Je mets en garde. Si nous sommes dans le cadre du surnaturel, tous ces chrétiens, toutes ces personnes qui sont dans des églises, bon, je vais dire chrétien, c'est pas si je dois dire chrétien, hein, mais toutes ces personnes qui sont dans des églises et qui en même temps sont chez les marabouts, qui en même temps sont chez les féticheurs, qui en même temps font d'autres pratiques que les pratiques du Dieu d'Israël, voici à quoi tu t'exposes. La divinité. À qui tu offres ton sacrifice. Tu peux offrir des sacrifices à notre Dieu, en même temps aller offrir des sacrifices à d'autres dieux. Le verset dit, celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel sera voué à l'extermination. Donc, tu n'as pas le droit d'avoir deux. C'est-à-dire avoir les dieux de la Bible ou le dieu de la Bible et en même temps avoir d'autres dieux que lui. Il a dit, ne prends pas d'autres dieux pour venir me les associer. Je ne t'autorise pas à faire ça. Pourquoi? Parce que je suis un dieu jaloux. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Amen, amen. Bien. Quelqu'un maintenant peut se demander, nous sommes dans l'église, nous sommes des chrétiens. C'est un enseignement qui s'adresse peut-être ou bien en majorité à des chrétiens. Pourquoi donc venir nous mettre en garde par rapport à la divinité? Parce que nous sommes déjà avec lui. OK. Si tu penses que tu es réellement avec lui, il y a un deuxième point qui fait que tu peux rater la divinité. Mais je vais d'abord commencer par m'adresser à ceux qui m'écoutent en général. Je vous ai dit que si tu n'appartiens pas à un Dieu, tu ne peux pas prétendre lui offrir des sacrifices. Alors, toi qui m'écoutes et toi qui me regardes, quelqu'un peut penser que je donne et je ne vois rien.
Je fais mes offrandes, je ne vois rien. Je paye mes dîmes, je ne vois rien. Je fais ceci, je ne vois rien. La première question que je te pose, appartiens-tu à notre Dieu? Est-ce que tu appartiens à notre Dieu? C'est la question. Parce que si tu fais une offrande, un sacrifice à une divinité à laquelle tu n'appartiens pas, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fait. Il faut que tu appartiennes d'abord à la divinité. Donc, moi, Herman, je ne peux pas me retrouver dans une forêt sacrée, donner un mouton et puis j'ai les effets en même temps. Si je donne un mouton dans une forêt sacrée et que je vois les résultats, c'est que le Dieu qui est là-bas, là, lui et moi, on est en collaboration. On se parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux voir les commentaires, s'il vous plaît. Je peux voir les cœurs pour voir. Je rappelle que j'ai prié de minuit avec les surnaturels aujourd'hui. Si tu offres des sacrifices à une autre divinité que celle de la Bible, à cette divinité-là, et puis tu vois les résultats, mon frère ou bien ma sœur, il faut te mettre dans la tête que c'est que tu appartiens à ce Dieu-là. Parce qu'aucun Dieu ne te donnera des résultats si tu ne lui appartiens pas. Ça, c'est la règle d'or dans le monde des dieux. Aucune entreprise ne va faire un virement de salaire à un employé qui ne travaille pas dans son entreprise. Ce n'est pas possible. Tu ne travailles pas à Crédit Agricole, ben, tu ne peux pas recevoir de salaire de là-bas. Ah non! Pour recevoir le salaire d'une entreprise, il faut que tu sois employé là-bas. Aucun Dieu ne t'accordera sa faveur si tu ne lui appartiens pas. La loi de l'appartenance. Donc, avant de commencer à offrir des sacrifices au Dieu de la Bible, la question, est-ce que tu appartiens au Dieu de la Bible? Alléluia. Est-ce que tu as renoncé à tes dieux que tu as à l'origine pour appartenir au Dieu d'Israël? Amen, 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 amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que la divinité que tu penses, à laquelle tu penses appartenir, là, est-ce que c'est vraiment le Dieu de la Bible? La Bible même nous donne deux éléments, ou bien un élément, qui nous permettent de basculer, d'appartenir, parce que d'office, c'est le Dieu d'Israël. Je reprends, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Je vous expliquais que chaque nation, chaque peuple a son Dieu. Donc, de là d'où tu viens, là, tu appartiens au Dieu de ton pays, d'office. Maintenant, tu as envie de permuter, de basculer, c'est pas ça. Tu veux quitter tes dieux pour appartenir au Dieu d'Israël. OK? Est-ce qu'on se comprend? Voilà, j'espère qu'on peut, on peut continuer. Je suis du Tchad. Je suis du Canada. Je suis des États-Unis. Je suis de la France. Chaque pays a ses dieux. Maintenant, moi, Herman, originaire de la France, je veux désormais que le Dieu à qui j'appartienne soit le Dieu d'Israël. Je veux changer de Dieu. Je veux basculer pour appartenir au Dieu de la Bible. Je vous l'ai conseillé parce que pour moi, c'est le Dieu le plus fort. Ça, c'est moi qui s'engage. Pour d'autres, Dieu de la Bible n'est pas le plus fort. Mais moi, Herman, j'estime que mon Dieu est le plus fort. Donc, si tu veux appartenir à mon Dieu, Jean chapitre 14, le verset 6, nous donne le pont, le chemin pour passer. Ça, c'est le premier verset. On va lire rapidement. Jean chapitre 14, verset 6, je crois que beaucoup de personnes connaissent, mais c'est important. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les églises, mais qui n'appartiennent pas au Dieu de la Bible. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui. Je ne pense pas que je pourrais terminer, mais la semaine prochaine, on va continuer. La divinité, c'est très important. Vous pensez que les choses sont écrites dans la Bible pour être écrites, en fait. Vous voyez? Quand tu portes les lunettes du surnaturel, il y a des choses que tu comprends mieux. Jean chapitre 14, verset 6, il est écrit, Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ça, c'est le premier élément. Il y a deux éléments pour appartenir au Dieu d'Israël. Donc, le premier élément, il est là, il est mentionné. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Tu ne peux pas atteindre le Dieu d'Israël sans passer par moi, Jésus. Donc, il faut déjà qu'on soit clair sur ça. Alléluia. C'est pour ça que très souvent, on pose la question aux chrétiens.
Est-ce que toi, tu as confessé Jésus? Je vais parler de ça tout à l'heure. Est-ce que tu reconnais Jésus comme ton sauveur? Est-ce que tu le reconnais comme ton Seigneur? Si tu dis oui et que réellement ton cœur et ton âme a fait a reconnu, l'a accepté, à partir de ce moment-là, tu peux prétendre être membre. Tu peux prétendre appartenir au Dieu d'Israël, au Dieu de la Bible. Mais si tu n'as pas encore fait ça, et même si tu es chanteur dans l'église, même si tu es pasteur, même si tu es, voilà, tout ce que vous voulez, archibishop, tu es évêque, tu es je ne sais quoi, et que tu ne reconnais pas Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, tu as tous les dieux, tu pries tous les dieux sauf le Dieu de la Bible. C'est important ce que j'en ai dit là. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes sont dans l'église, mais qui ne voient pas Dieu se manifester dans leur vie. Plusieurs personnes sont dans l'église, mais qui n'ont pas de témoignage. C'est-à-dire qu'ils ne sentent pas que Dieu est là, mais pourtant, ils sont dans l'église. Oui, ce sont des gens qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas fait ce basculement-là, qui n'ont pas basculé du monde de leur Dieu au monde du Dieu de la Bible. Là, je suis en train de traiter le sujet d'accepter Jésus, mais dans le volet surnaturel. Dans le volet surnaturel, la divinité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Il dit, je suis le chemin. Ça, c'est lui qui a dit ça. Le fils du Dieu d'Israël. Donc, souvent, on dit fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Oui, tu as le droit de dire Jésus, fils de Dieu. Mais il faut préciser fils du Dieu d'Israël. Parce que les autres ont leur Dieu et Jésus n'est pas le fils de leur Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être que je choque des gens, âmes sensibles s'abstenir. Pour ceux qui sont habitués au surnaturel, vous comprenez clairement de quoi je parle. Alléluia. Jésus est le fils de Dieu, oui. Mais de quel Dieu? Du Dieu d'Israël. D'accord? Maintenant, nous, les adeptes du Dieu d'Israël, on dit que notre Dieu, nous pensons et nous croyons que notre Dieu est le Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Ça, c'est notre foi, c'est notre conception. Alléluia. Nous, les adeptes du Dieu d'Israël, nous disons que notre Dieu est le Dieu qui a créé toutes choses. Mais pendant que moi, Herman, je dis que mon Dieu est le Dieu qui a créé toutes choses, ceux qui sont en Syrie disent que leur Dieu est le Dieu qui a créé toutes choses. Les Grecs trouvent que leur Dieu est le Dieu qui a créé toutes choses. Les Égyptiens trouvent que leur Dieu, c'est le Dieu aussi qui a créé toutes choses. Voilà. Donc, quand tu dis Jésus est le fils de Dieu, de quel Dieu? Ça n'a aucun sens dans le surnaturel. Jésus, fils de Dieu, ça n'a aucun sens. Il est le fils du Dieu d'Israël. Donc, le Dieu d'Israël te dit, si tu veux désormais basculer, quitter les dieux de ton père, quitter les dieux de ton pays pour devenir membre, pour être fils du Dieu d'Israël, la condition qu'il te donne, c'est d'accepter Jésus, de le reconnaître comme son sauveur, de le reconnaître comme ton sauveur, de le reconnaître, de penser, de dire à partir d'aujourd'hui, là, ma vie n'a aucun sens sans ce Jésus-là. Si tu le reconnais, il n'y a pas de souci. Tu bascules de tes autres dieux au Dieu d'Israël. À partir de cet instant, tes sacrifices passent. La divinité. Oh, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans l'église. La Bible dit, à la fin des temps, au jugement dernier, le maître Jésus va regarder des gens et puis va dire, je ne t'ai jamais connu, toi là, je ne te connais pas. Ils vont dire, mais est-ce qu'on n'a pas fait des miracles en ton nom? Oui, tu as fait des miracles, mais c'est par quelle divinité tu as fait des miracles? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas guéri? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? Jésus dit, mais toi, je ne te connais pas. Mais tu dis, mais j'étais dans l'église, je chantais. Oui, tu chantais dans l'église, mais tu ne m'as jamais reconnu. Tu ne m'as jamais reconnu. Donc, je ne suis pas ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, je vais vous donner un autre exemple pour qu'on comprenne bien ce que je dis. Je suis en France. Et vous allez vous rendre compte qu'en France, il y a plusieurs partis politiques. Je reconnais le président de la République. C'est le président de la France. Mais je ne suis pas membre de son parti politique. Donc, je n'aurai pas droit à ce à quoi je dois avoir droit en tant que membre de son parti politique. Donc, je suis assis dans la France, mais être en France ne veut pas dire que je suis membre de tel parti politique forcément. Donc, tu es assis à l'église, tu chantes, tu danses, tu prêches même. Il n'y a quoi d'autre? Tu fais des délivrances, tu donnes de l'argent, mais tu n'as pas fait l'essentiel. Tu n'as pas basculé, tu n'as pas reconnu Jésus comme étant ton maître, comme étant ton sauveur. Tu n'as pas fait cela.
À partir de cet instant précis, tout ce que tu fais dans l'église est gratuit. Est-ce que vous voyez un peu accepter Jésus dans le volet surnaturel? Il y a d'autres thèmes, quand je vais enseigner, vous allez comprendre le sens même du chrétien d'accepter Jésus. Vous allez comprendre la valeur. Il faut le faire. On va lire un deuxième verset. Oh, le temps passe vite, hein. Franchement, une heure déjà arrivée. Ouais. Est-ce que la parole te fait du bien à quelqu'un? Je peux continuer? On va lire un autre verset. Et là, ça, c'est un verset super, super surnaturel. Jean 14, 6, là, tous les chrétiens le connaissent. Mais il y a un verset super surnaturel que nous allons lire. Allons-y. Prends avec moi Romains chapitre 10, le verset 9. Marque avec moi Romains chapitre 10, le verset 9. Donc, Église, je parle à des gens, hein, je te parle. C'est vrai, tu payes ta dîme. Ça, c'est sacrifice institué. C'est vrai, tu as l'église tout moment, tu fais tel sacrifice, tu es un bon sacrifiant. Sacrifice institué. Mais est-ce que le Dieu auquel tu t'en as donné, est-ce que tu lui appartiens? Si tu n'appartiens pas à un Dieu, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Ça n'a aucun effet, ça n'a aucun résultat. Donc, tu fais dîme, tu fais offrande, tu fais action de grâce, tu fais tout, mais tu n'as pas encore accepté Jésus. Donc, tu n'appartiens pas à notre Dieu. La divinité ne te reconnaît pas. Notre divinité ne te reconnaît pas. Comme je dis, moi, Herman, j'arrive dans un village, je tue un mouton, je verse son sang, je fais ce que j'ai à faire. C'est moi, mon Dieu, qui va m'exaucer. Sinon, le Dieu qui est là-bas, là, il ne me reconnaît pas. Si ce Dieu-là collabore avec moi, c'est que je fais partie de ces gars. Mettez ça dans votre esprit. Si tu poses une action envers une divinité et que cette divinité-là t'a exaucé, c'est que tu lui appartiens. Aucun Dieu n'exauce quelqu'un qui ne lui appartient pas. Ça, là, c'est la loi de l'appartenance. J'ai déjà expliqué ça. Donc, si tu allais prier, tu es rentré dans une forêt sacrée, tu es dans l'église, tu es pasteur ou bien tu es diacre dans une église, et puis tu allais dans une forêt sacrée, tu allais faire une incantation, et puis tu étais exaucé. Il faut savoir que le Dieu qui est là-bas, c'est lui qui est ton vrai Dieu. C'est lui qui est ton vrai Dieu, ce n'est pas l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le Dieu qui est là-bas, là. C'est lui qui est ton vrai Dieu. Donc, il faut que tu passes ce cap-là. C'est pour ça que, comme je dis, beaucoup de personnes sont dans l'église, mais notre Dieu ne les reconnaît pas encore. Tu n'as pas encore ta carte de membre. La divinité ne te connaît pas. Donc, on parle de sacrifice. Tu fais tes efforts volontaires. Tu te lèves très tôt, tu es à l'église. On s'en fout de tout ça tant que le Dieu, là, ne te reconnaît pas. Et à quel moment le Dieu va te reconnaître? Mais il te reconnaît parce que, j'ai donné tout à l'heure, tu reconnais son fils Jésus-Christ. D'accord? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dire Jésus est le fils de Dieu, c'est une phrase correcte pour les gens naturels, pour le naturel. Mais pour nous, les surnaturels, ce n'est pas correct. Jésus est le fils de quel Dieu? Parce que chez nous, les surnaturels, il y a beaucoup de dieux. Donc, si tu me trouves en tant que, si je suis par exemple un Égyptien, quand tu dis Jésus est le fils de Dieu, ça n'a pas de sens. Jésus est le fils de quel Dieu? Il est le fils du Dieu d'Israël. Donc, comme généralement, on parle entre nous, les adeptes de ce Dieu-là. Donc, quand on dit Jésus, fils de Dieu, c'est notre Dieu à nous. Il est le fils de nous, notre Dieu. Est-ce que c'est clair? Jésus n'est pas le fils de Zeus. Jésus n'est pas le fils de, j'oublie le nom, de Zeus, du Dieu des Grecs, là. J'oublie son nom. Donc, il n'est pas le fils de Pharaon. Jésus n'est pas le fils de Pharaon, ça, c'est chez les Égyptiens. Donc, allez-y, en Inde, il y a Bouddha. Voilà, Jésus n'est pas le fils de Bouddha ou bien Jésus n'est pas Bouddha. Non, Jésus est le fils de notre Dieu à nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi divinité, dis avec moi divinité. C'est important, hein? J'espère que je fais du bien à quelqu'un. Divinité. Bien. Romains chapitre 10, verset 9. On va finir avec. J'oublie le nom de l'autre. La terre égo de Zeus dans l'autre mythologie. Zeus, c'est chez les Grecs. Et puis, il y a Zeus dans l'autre mythologie. J'oublie, ça m'échappe. Mais j'ai parlé de tout ça dans le monde des dieux. Donc, si tu n'as pas suivi le monde des dieux, tu peux voir ça sur YouTube, Révérend Prophète Herman Quadio, ou bien sur Domination Optimale. Bien, Romains 10, verset 9, il est écrit, « Si tu reconnais, écoutez-moi bien, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Comment on appartient à nous, notre Dieu, là? Parce que c'est important. Je vous ai dit, on allait terminer par la divinité. Ne sacrifie pas tes moutons, ne sacrifie pas tes poulets, ne sacrifie pas tes... tes moutons, tes gros bétails, tes menus bétails ou tes oiseaux. D'accord? Pour ceux qui ont suivi les sacrifices, vous savez ce que notre Dieu, il prend.
Donc, ne sacrifie pas tes gros bétails, tes menus bétails ou tes oiseaux. Et puis, tu n'es même pas reconnu par le Dieu. C'est inutile. C'est inutile parce que toute divinité auquel tu n'appartiens pas ne t'exauce pas. Il est écrit, si, verset 9, hein, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Donc, ça veut dire que si ta bouche déclare que Jésus est Seigneur, et si tu le crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé, alors tu appartiens au Dieu de la Bible. Confession. Allez-y dans toutes les grandes institutions. Il y a quelque chose qu'on appelle prestation de serment. C'est avec ça que je vais terminer parce qu'il y a d'autres éléments, il y a d'autres éléments que je n'ai pas pu toucher, mais là, notre heure pour le direct est impartie. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver, nous continuons sur la divinité. Amen. Je vais vous expliquer comment est-ce que tu peux être dans l'église et puis donner ton sacrifice à un faux Dieu. La semaine prochaine, on en parlera parce qu'il est l'heure. Je dis ce que je disais tout à l'heure. Verset 9 dit, si tu déclares, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, d'accord? Dis publiquement que Jésus est le Seigneur. Là, nous sommes dans le surnaturel. Il y a beaucoup de personnes, je crois en Jésus, je reconnais que Jésus est Seigneur. Oh, ça c'est discours. Discours. Je suis en train de te parler du surnaturel. Dans l'aspect surnaturel, regardez dans toutes les grandes administrations, dans tout ce qui est loge, dans tout ce qui est monde surnaturel, dans chez nous tous, il y a ce qu'on appelle prestation de serment. D'accord? La prestation de serment consiste à quoi? Si c'est un médecin, ils vont dire, je jure que, tant, 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 tant. Le président de la République pose la main sur la Bible ou sur le Coran, selon des pays. Et puis, il déclare des paroles. Les paroles qu'il déclare l'engagent. C'est comme si c'était un pacte, voilà. Un pacte qu'il est en train de signer. Si tu confesses publiquement de ta bouche le Seigneur Jésus, en fait, à ce niveau-là précisément, ne voyez pas la confession juste comme une parole qu'on prononce, mais voyez ça comme des déclarations sur ton âme qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que tous ceux qui prient avec moi, vous vous souvenez que je vous ai donné un code. Parce que c'est là qu'il y a la réponse. Ce code-là démontre à quelle divinité tu appartiens. Pour tous ceux qui sont allés pratiquer, qui sont rentrés dans des cercles de mysticisme, vous avez vu qu'on vous a fait des déclarations. Tu as prononcé, je reconnais que, tant, 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 tu déclares des paroles. Les paroles que tu déclares, ce sont ces paroles-là qui te font entrer sous l'autorité de ce Dieu-là. C'est prêter allégeance. Donc, tu arrives et puis je reconnais que c'est toi qui es le maître. C'est-à-dire, je te donne droit de vie ou de mort. Ces paroles que tu prononces là te permettent d'entrer sous l'autorité de Dieu en question. On ne rentre jamais dans un cercle fermé de spiritualité sans avoir fait, on appelle ça la confession de foi. La confession de foi, des paroles qu'on déclare. Et ce sont ces paroles-là qui t'engagent vis-à-vis de l'institution spirituelle, vis-à-vis de l'institution surnaturelle, vis-à-vis du Dieu en question. Donc, nous, pour appartenir au Dieu de la Bible, nous avons notre confession que nous faisons. Et ce n'est pas de l'amusement, mais ça rentre dans le cadre d'un rituel pour livrer ton âme. Est-ce que quelqu'un pèse le mot que je dis? Écris avec moi, je livre mon âme. On dit, il a donné, il a vendu son âme au diable. Nous, nous vendons notre âme à Jésus-Christ. Si tu reconnais publiquement, ce n'est pas de t'arrêter à un carrefour pour dire, Jésus est Seigneur. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Hein. Sinon, la Bible ne veut pas dire que ceux qui ont prêché. Il a dit, n'avez-vous pas fait des miracles en ton nom? Quelqu'un qui a fait des miracles publiquement ne peut pas aller en enfer. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit d'une confession, mais du fond de ton âme et du fond de tes tripes, dans ta pensée, dans ton esprit, dans ton âme, tu confesses et tu reconnais que toi, tu appartiens au Dieu d'Israël. Tu reconnais que Jésus-Christ est ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je peux reprendre le verset. Je vais m'arrêter à là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment tu peux être dans l'église et puis faire des sacrifices à la mauvaise divinité.
On m'a parlé de ça. Amen. Je reprends le verset. C'est tellement. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Là, là, on ne parle plus de est un Seigneur. Hein. Amen. Si tu reconnais que Jésus est le Seigneur, ça veut dire que, ou moi je dis, je vous disais tout à l'heure, je suis convaincu dans mon âme et rien ne peut me faire changer d'avis que le Dieu que moi j'ai choisi, que Jésus-Christ là, il est le seul et vrai Dieu. Je suis convaincu que c'est le Dieu le plus puissant au détriment des dieux de mon père, au détriment des dieux de ma famille, au détriment des dieux de mon village. Je crois en ce Jésus. Même si on me coupe le pied, je crois en Jésus. Même si je n'ai pas à manger, je déclare que Jésus est mon Dieu, est mon Seigneur, est mon maître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je livre mon âme? Donc, si tu n'es pas passé par cette étape-là, tout ce que tu fais dans l'église est zéro. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens pleurent et beaucoup de chrétiens ne voient pas la gloire de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne voient pas l'action de la divinité agir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fait ces confessions. Ton âme, tu as parlé, la Bible dit, ce peuple-là, il m'honore du bout de ses lèvres. C'est-à-dire, c'est ta bouche qui a parlé. Mais ton âme n'a pas prêté allégeance. Tu n'as pas vendu ton âme à Jésus. Vendu ton âme à Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais m'arrêter là. On va commencer à partir de là la semaine prochaine. Jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur la divinité. Il y a trop de choses à dire sur la divinité. Amen, amen. Je vais revenir sur cet aspect-là. Parce que, retenez que, si tu n'appartiens pas à un Dieu, tout ce que tu fais, c'est... Donc, la question que tu dois te poser là, est-ce que moi, tu peux dire ton nom, est-ce que moi, j'appartiens vraiment au Dieu de la Bible? Est-ce que le Dieu là, il me reconnaît comme étant son membre? Si il me reconnaît, alors je peux faire des sacrifices. Donc, ce n'est pas la peine de courir pour donner, je fais offrande, je paye dîme, on ne fait rien avec ton argent. On n'a pas besoin de ton argent si la divinité là n'en veut pas. On n'a pas besoin de ça. Amen. Les dieux, les autres de mon village n'ont pas besoin de moi, Herman, mon offrande. Ils vont faire quoi avec? Parce que je ne leur appartiens pas. Voilà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous avons largement dépassé le temps de 7 minutes. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Nous nous retrouvons jeudi prochain, 18h, heure de la France, en fonction du pays, de là où tu me regardes. Voilà, tu vas voir à quelle heure ça correspond. Alléluia. On va voir à quelle heure ça correspond. Est-ce qu'une personne qui appartient à d'autres dieux peut faire la confession de foi sans y donner son cœur? Oui, bon, je répondrai à ça la semaine prochaine. Il est déjà l'heure. Regardez les questions. Si vous avez des questions, posez les questions. La semaine prochaine, parlons de divinité, je vais répondre à ça. Que Dieu nous bénisse. Je rappelle que nous nous retrouvons tout à l'heure, 0100 pour tous ceux qui les habitués. Si tu veux nous rejoindre aussi, vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent maintenant. Vous pouvez contacter ces numéros de téléphone. On vous dira dans quelles sont les conditions à réunir pour participer aux séances de 0h00. Alléluia. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Shalom à tous ceux qui m'ont suivi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Nous nous retrouverons le jeudi prochain à la même heure, 18h heure de la France, par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous continuons sur la divinité. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je suis révérend prophète Herman Kwadio, aiguisé pour dominer. Shalom à toi. Dieu te bénisse.